J'espère que vous allez bien ce jeudi 12 septembre. J'ai pas pu vous faire de vidéo avant parce que j'avais quand même Loulou. Donc c'est pas évident hein, de faire des vidéos et de m'occuper de la petite chienne. Merci beaucoup d'ailleurs à ce sujet pour vos commentaires, vraiment très gentils. Alors sachez qu'en fait cette chienne ne m'a pas été donnée, hein. Je l'ai vraiment achetée, je précise, avec les revenus de cette chaîne. Voilà, sur plusieurs mois, hein, bon. Et donc, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Et les revenus de la chaîne continuent évidemment à contribuer au parrainage des animaux et évidemment aux soins de ma petite chienne, parce que comme j'avais pas de chien jusqu'ici, eh bien, il a fallu que j'investisse dans divers éléments. Bref, là, vous avez vu qu'en ce moment, on ne sait plus trop où donner de la tête, hein, entre l'Occident qui ne veut pas s'avouer vaincu face à la rue, entre les élections américaines, entre Kamala et Donald, entre le père Michel, donc on va garder le père Michel qui quand même ne fait, est loin même, ne fait pas l'unanimité, non, est loin de faire l'unanimité avec les Français qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, avec les bruits de plus en plus précis qui courent sur notre cher Jean-Michel, bref, avec la débâcle économique, enfin on ne sait plus, voilà, on ne sait plus. Donc moi, ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, c'est l'Ukraine. C'est la rue. Donc je vous demande, enfin je vous propose plutôt. Non, je vous demande pas, je vous propose de regarder un petit peu parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, là, ça m'embête beaucoup. J'ai un peu peur que ça escalade. Alors qu'en fait, normalement, les accords de paix devraient être quand même négociés, hein. Il faut en finir, les gens n'en peuvent plus, le peuple ukrainien n'en peut plus. C'est un massacre, voilà. C'est un massacre, une débâcle économique, financière, sociale et tout ce qu'on veut. Bon. Alors, je vais déjà commencer par revenir sur ces histoires de visa. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu l'impression que qu'il peut se cacher quelque chose derrière. Donc, j'ai préparé trois tas que je vais remélanger devant vous. Hein, pour éviter les remarques du genre oh, elle a tout préparé. Non, je ne prépare rien. C'est toujours l'intuition qui s'exprime. Voilà. Et comme aujourd'hui, je vais faire un peu. En fait, je vais faire un peu différemment pour la méthode. Je vais bien préparer, enfin, préparer, mélanger plutôt l'état en pensant à Vlad. Alors, je vous ferai un live certainement demain. Voilà. Hein, bon. On verra si on peut prendre, si je peux prendre quelques questions. Ok, alors on y va. Que cache cette histoire de visa? Alors on va dire visa de l'Est, hein, d'accord? De la part de Vlad. On va déjà couper chaque tas. Bon, moi j'ai les prophéties. Oups, attendez. Oh là. Alors ça c'est pas cool parce que ça s'est retourné du coup. Alors la première carte, ça devait être celle-ci. Ah oui. Alors moi j'ai les voyous là. Les prophéties qui nous avertissent, alors les voyous, les bandes de voyous, les pillages, la criminalité ambiante, etc. C'est prévu dans les prophéties, la fin des temps. Je pense qu'on y est, mais enfin bon, chacun peut avoir un avis différent à ce sujet, hein. Donc là, ça veut dire qu'au niveau de la violence, les choses ne vont pas s'arranger, en d'autres termes. Qu'est-ce qu'on a ici? Une femme maléfique à double visage qui arrive à toute vitesse. Bon, on va pas donner de nom, hein. Et là, au niveau du troisième tas. Ah, bah oui, d'accord. Bon, ça, c'est d'actualité. Ah, ouais. Bon, bah, la carte, elle parle d'elle-même. Hein, vous voyez? Là, c'est l'Assemblée nationale. Enfin, ils sont en train de se taper dessus. Bah, non. Enfin, c'est plutôt le fait que, pour l'instant, ils ne peuvent pas se taper dessus parce qu'il n'y a pas de nouveau gouvernement. Mais en tout cas, je pense que dans le futur, ça va être ça. Voilà. Alors, le passé. Bon, ok. À mon avis, il y a des choses du passé qui ne reviendront plus. Alors, je me concentre. Pourquoi Vlad propose-t-il ce visa de son pays à tous ceux qui le désirent, même sans parler la langue? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends le. Ouais, on va faire comme ça. Allez, hop. On va innover un peu, hein. Ouais. Voilà, donc je vais prendre dans l'ordre. Je vais voir ce qui ressort. Je vais même faire en neuf, tiens. Ok. Alors. On a la protection. On a quelqu'un qui est en train d'atteindre son rêve. On a les questions de santé. Ah, on a la foi. Belle carte.
Le sabotage, oui. La disparition, la fin de quelque chose. La guerre ou le courage. Une progression. Et la criminalité. Alors là, j'étais partie, c'est pourquoi est-ce que Vlad propose un visa aux populations qui le désirent. Il y a du sabotage, la fin du christianisme. Ici, c'est assez clair. Ok, vous avez Jésus sur la croix. Vous avez la disparition, le sabotage. Bon, là, c'est vrai qu'on le voit, hein, les églises brûlent. L'autre, il veut remplacer les vitraux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le pape, bah là, il est en train de faire, de créer un schisme auprès des catholiques. Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Mais enfin, bon, que vous dire? C'était marqué aussi dans la Bible, hein, qu'il y aurait des trahisons à ce niveau-là. Bref, tout ça pour virer Jésus. Hein, c'est le plus important, c'est le sauveur. Donc, il faut absolument qu'il se débarrasse de lui. Quoi d'autre encore au niveau des religions? Ben, oh, j'ai dû oublier, hein, quand je suis en médiumnité voyance, comme on dit. J'oublie des choses, mais enfin, on voit bien quand même que tout est fait pour détruire, voilà, les histoires de catholicisme. Catholicisme, excusez-moi. Bien, ici, on a quelqu'un qui est en train d'atteindre son rêve. Alors, on va regarder pourquoi. Qu'est-ce que je fais? Je continue. Ah, j'aime pas quand je choisis pas, mais enfin, on va regarder quand même. Oui, donc là, il y a quelqu'un qui rêve à quelque chose, oui. Qui rêve de séparer les gens. Qu'est-ce qu'on a sur le... Ah oui, ça, c'est curieux. On a les armes laser. Bon, ça, à mon avis, c'est plutôt l'Occident, là. Ah, quoi qu'une protection, ça m'embête un peu. Mais je crois que c'est, en fait, c'est... Oui, c'est ça. C'est plutôt Vlad qui propose une protection. C'est ça, en fait. Hein. Il propose une protection par rapport, ici, tac, tac, comme ça, à la destruction des valeurs chrétiennes, qui propose aussi une protection par rapport à une séparation entre les hommes et les femmes, qui est une idéologie VOKE. Hein. Les femmes sont les grandes perdantes. Hein. Ah oui, je vous assure. Hein. Ils font déjà des utérus artificiels. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. C'est très sérieux, cette histoire. Hein. Allez regarder du côté de la Chine. J'en avais déjà parlé. Ils ont déjà réussi à créer un bébé. Un agneau, donc. Oui, c'est ça. Hein. Je ne sais plus, brebis. Enfin, bref. Petit bébé, animal, dans un utérus artificiel. Donc, inutile de vous dire qu'ils sont en train de faire déjà ça. Enfin, ils sont en train d'essayer de les mettre au point pour les humains. Donc, ça veut dire quoi? Bah, on n'a plus besoin des femmes. Voilà. Et puis, il y a en plus les trans qui, voilà, qui remplacent les femmes. On a déjà vu. Bref. Donc, une idéologie qui est en passe d'être réalisée ici, qui crée la division, j'ai envie de dire même la haine, mais vraiment, hein, entre les hommes et les femmes. Bah, tout ça, c'est le diable. Alors, attendez, là, on a un truc sur les... La vérité qui sort du puits, oui, on a deux choses là. Les alerteurs, bon, ça c'est les alerteurs qui, ben justement, qui alertent pour les questions de santé, ça c'est une chose. Et la seconde chose, c'est qu'on a des choses qui sortent du puits, la vérité, par rapport à l'utilisation des armes à énergie dirigée, comme on dit, voire le 11 septembre, puisque j'ai regardé rapidement, là il y a une nouvelle théorie, ou peut-être que c'est une ancienne, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, une théorie qui dit que le 11 septembre, les tours auraient été détruites, non pas du fait d'explosifs ou d'avions ou de ce que vous voulez, mais à cause de ceci. Donc, il y a... Moi, j'ai toujours pensé aussi, mais ça fait depuis longtemps, hein, que cette histoire de tours était plus que suspecte. Enfin, bref, j'avais déjà mon opinion à ce sujet. Ok, donc là, j'ai vraiment là ce que veut faire l'Occident. Vous avez compris, hein. Et ce que a fait l'Occident par rapport aux questions de Tessan, dans le sens, par rapport aux questions du 11 septembre, au projet en cours qui vise à détruire la structure homme-femme, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont, et la structure ici du christianisme. Alors ici, on a autre chose. On a les trafics criminels, on a la guerre éventuellement. Oui, les blessures, hein, bah oui. Les frigos vides, ah ah, enfin bon. Bon, ben en fait, là, c'est vraiment un avertissement. Hein. Alors, ce qui ressort dans mon jeu, c'est un avertissement de la rue. Voilà, c'est ce que Vlad, hein, j'essaie de me connecter un peu à ce que monsieur pense. Et il nous avertit sur ce que je viens déjà de vous dire. Mais notamment au fait qu'on va avoir un problème de frigos vides. Éventuellement, un problème de guerre qui risque de vraiment de faire beaucoup de victimes. Ben,
encore plus que ce qu'il y a malheureusement. Et là, on nous dit qu'il y a une idéologie criminelle. Hein. C'est les trafics, c'est là, on va droit vers une société criminelle. Ouais. Et on va également vers une société de, ben, de pauvreté extrême. Hein. Donc, quelque part, Monsieur Vlad, c'est exactement ce qui va arriver au niveau de l'Occident. Alors, je ne vous dis pas que c'est demain, mais on va dire que c'est en route. Ça, c'est sans doute le plus inquiétant. Avec, ah oui, alors ça, c'est étonnant que j'ai le blue beam qui sorte. Alors, le blue beam, vous savez ce que c'est, hein, le monsieur qui avait, en fait, mis à jour ce complot de la, alors, je ne peux pas dire le nom, hein, d'une certaine organisation étatique, états-unienne, on dit ça comme ça, oui, des États-Unis, eh bien, a perdu la vie. C'est un monsieur qui, ça, dont le prénom commence, enfin, dont le prénom est Serge, pardon. Et il nous avait, en fait, expliqué, il avait expliqué ce que c'était ce projet Blue, plus loin, bim, voilà, qui devrait aboutir à une nouvelle religion. Je vous signale d'ailleurs que il y a quelques années de ça, je vous avais dit qu'on aurait de plus en plus de tremblements de terre. Oui, on en aura de plus en plus. Et justement, ces tremblements de terre, provoqués ou non d'ailleurs, c'est difficile à voir en astrologie, eh bien, permettront de mettre à jour des artefacts selon ce plan. Ces artefacts qui viendront apporter la preuve, entre guillemets, hein, vous avez compris, que nous sommes issus de races extraterrestres, ou que sais-je, et que toutes les religions, c'est du fake, etc., etc. Ah, on ne peut pas dire, hein, ils ont bien pensé leur truc. Hein. Bon. Donc, en fait, Monsieur Vlad sait aussi que la nouvelle religion mondiale arrive. Alors, du coup, je n'ai pas d'autres cartes là-dessus. Vous savez quoi? Je vais quand même prendre... Voilà, je vais faire avec ma vieille méthode. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est vraiment l'histoire de guerre. Ah oui, c'est bizarre, je sors le blackout, là. Tiens, je sors le blackout. Oh là. Bon, alors, mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que les histoires de guerre, s'il n'y a pas de solution qui est trouvée rapidement, ça va être un massacre, mais puissance 2, quoi. C'est-à-dire que là, Monsieur Vlad, il est prêt vraiment à aller jusqu'au bout, mais malheureusement, l'Occident aussi. Donc, il n'y en a pas un des deux. Enfin, vous allez me dire, mais oui, mais Vlad, il essaie de faire des tentatives de négociation. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais étant donné que l'autre camp dit non, eh bien, dans ces cas-là, ben, Vlad aussi, il ira jusqu'au bout, vous voyez. Il n'y en a pas un des deux qui va dire, bon, maintenant, ça suffit. Ça, c'est une victoire chèrement acquise au prix de millions de victimes. C'est ça que je sors, et vous voyez, je l'ai sorti sur la guerre. Pardon. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas une solution qui est rapidement trouvée, ça va être la cata des catas, là. Parce que on est en train d'escalader en ce moment. Et c'est pour ça que je vous fais le tirage. C'est en train d'escalader. Et là, ça peut aller même avec des petites bombinettes. Hein. Je vous sortais la bombe à chaque fois, moi, quand même. Hein. Bon, alors je ne l'ai pas ressorti ici, mais enfin. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que Vlad tend la main en disant bah venez pendant qu'il est encore temps, quoi. Moi, j'ai l'impression, hein. Que c'est ça. Oui, voyez. Donc, en fait, ses intentions sont sincères. Il offre vraiment, cette carte-là, c'est la carte de la sincérité. On offre, hein, on offre, voilà. Alors, le cœur, peut-être pas quand même. Hein, bon, on offre quand même quelque chose de façon sincère. Donc, en fait, les intentions de Monsieur Vlad sont sincères. Il tend la main. Vraiment, par rapport aux dissidents ou aux résistants, comme vous voulez, pour venir s'abriter, entre guillemets, chez lui. Parce qu'il sait très bien que l'Occident ne fera pas le poids, hein. Ah ben non, c'est évident. Bon, faut-il encore pouvoir le faire, hein. Ouais, ouais, voyez, regardez. Et ça, c'est la fameuse escalade que j'étais en train d'évoquer juste avant. Voilà. Donc, venez pendant qu'il est temps, parce qu'après, voilà ce qui va se passer. C'est pas une fusée, c'est des missiles, là, hein. Alors, la carte est peut-être pas très bien faite, mais enfin, bon, les missiles, voilà, ça décolle. Hein. Bon, ben, voilà. Donc, alors, au niveau des dates, toujours les dates, on me demande toujours des dates. Ben, c'est pas bon, là, déjà, maintenant. Hein. Déjà, la fin d'année, c'est pas bon. Hein. Ça peut déjà se dégrader très fortement. Hein. Donc, ce qui se cache derrière ce visa de l'Est est très sérieux. C'est vraiment, encore une fois, une main tendue. Pour permettre aux gens qui le souhaitent, qui ne supportent plus leurs dirigeants, eh bien, de venir, voilà, rallier le camp, j'ai envie de dire des gagnants, hein. Désolé, mais c'est comme ça.
Donc voilà. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, une autre petite vidéo. Le Père Michel, on va garder le Père Michel. Alors, on va garder le Père Michel et on va regarder déjà est-ce qu'il va rester jusqu'en fin d'année. Parce que, je vous ai dit, hein, la période de l'automne, là, va vraiment être très, très mouvementée. Puis, il y a les élections des États-Unis aussi. Hein, donc, ça apporte aussi un facteur de perturbation. Hein. Alors, est-ce que le Père Michel va pouvoir rester au moins jusqu'en fin d'année? Bon, là, là, il est en train de penser à faire son gouvernement. Ouais. De façon... Alors, l'étoile, c'est vrai que ça peut être aussi l'Europe, pourquoi pas. On peut voir ça comme ça. Il va essayer de faire en sorte que, avec son nouveau gouvernement, il arrive à appliquer tout ce que veut la Commission européenne, donc l'Europe. Et donc là, cette deux coupes, vous voyez, il est en train de réfléchir aux potentialités. Bon, ok. Bon, ça, on est d'accord qu'il est en train de choisir les futurs collabos. D'accord. Alors, va-t-il pouvoir rester? On va le mettre au milieu, tiens. Voilà. Bon, oui. Ouais. Ah, il y a une femme qui arrive. Bon, ça peut être lui. Ouais, c'est pas si facile que ça, quand même. Ouais, c'est pas si facile que ça. Hein. Là, il est en train vraiment de chercher. J'ai pas l'impression qu'il trouve pour l'instant. Ça, c'est les familles. C'est amusant parce qu'on voit une femme avec un petit garçon, quand même. Je sais pas, mais... l'allusion, vous savez, l'allusion... Quoique la femme, c'est pas vraiment une femme. Enfin, d'ailleurs, une femme et un homme, hein, voyez, mélange, qui prennent soin d'un petit garçon. Bon. Ouais, bon, bah oui, il faut bien rigoler deux secondes. Mais enfin, donc, c'est notre cher Caligula. J'ai quand même une impasse ici. On est dans une impasse. Écoutez, pour l'instant, il sait pas trop. Hein. Ah ouais, il sait pas trop qui est-ce qu'il va nommer. Voilà, à qui il va donner les sous-sous. À qui est-ce qu'il va donner les places de ministre, hein. Donc là, il y a des conciliabules, certainement avec Brimich. Hein. Moi, j'ai quand même une femme qui arrive. Ah ouais, j'ai une femme qui arrive ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Jugement. Oui. Oui, j'ai oublié de remettre une carte là. Attendez. Bon, il y a une femme qui arrive, un homme qui arrive. Alors, le roi de denier, ça fait penser... au ministre des Finances. Espérons qu'il ne reprenne pas Bruno. Mais enfin, faut, de toute façon, le mal est fait. Alors, attendez, là, il y a autre chose. Moi, je pense que c'est le peuple en face. Le peuple, là, qui n'en peut plus. Et à qui on va annoncer le choix. Oui. Oups. Oui. Bon, bah, écoutez, je vois un homme et une femme qui arrivent. Bon, alors, apparemment, le Michel, il est encore là. Est-ce que... Il va rester jusqu'au bout. Il va créer un nouveau gouvernement, oui. Avec au moins une femme assez, voilà, assez, comment dire, tyrannique, j'ai envie de dire. Un homme peut-être aux finances, parce que j'ai un roi de denier. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai une impasse. Donc, ce nouveau gouvernement va avoir beaucoup de mal. Hein. Alors, pour l'instant, je ne le vois pas partir. Je reposais la question. Une carte qui est tout mélangée. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'à fin 2024? On va poser la question. Bon, il va avoir affaire à beaucoup d'opposition. On s'en est d'accord parce qu'il va mettre des choses en route. Ok. Alors, on va sortir qu'une carte. Est-ce qu'il va rester jusqu'au bout? Bon, bah si, quand même. Hein. Ah ouais, j'ai quand même l'Assemblée nationale, là. Et en, alors, on va regarder un peu plus maintenant. Est-ce qu'il va rester en 2025? Ah, là, par contre, ça va devenir plus compliqué en 2025. Oui. 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 Là, évidemment, il fallait bien que je le sorte, le diable. Hein. Là, en 2025, il va y avoir un tour de... On va resserrer un peu le tour de verrou, j'allais dire. Hein. On va resserrer encore le despotisme, là. Ça va être de pire en pire. Hein. Mais est-ce que lui, il reste? Ah mince, j'ai un oui quand même. Hein. À flûte. À flûte.
Bon, c'est pas très bon signe ça. Comment ça se fait? Ouais. Alors, concentration sur les objectifs financiers, oui. Catastrophe au niveau du travail, despotisme, éventuellement aussi manipulation, tromperie, escroquerie, enfin bref, tout ce que vous voulez. On met les gens sous contrôle, ouais. Et on se concentre sur les sous. Bon. Alors, au niveau des Français maintenant. Ouais, ben vous voyez, tout de suite, ça change. Hein. Bah, les Français, ils sont à terre. Hein. Ah ouais. Et là, il y a quelqu'un qui vient, vous voyez, les dépouiller. Dépouiller les victimes de leurs épées. Donc, ça veut dire ramasser le butin, comme on dit. Mais il y a vraiment des morts qui sont à terre. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller se servir dans les poches des gens. Et peu importe les dégâts. Ben, c'est pas très bon. Hein. Bon. Bien. Enfin, bien. Bon, maintenant, j'ai envie de regarder un peu la Kamala ou je vous fais un autre tirage. Ouais, je vais peut-être vous faire un autre tirage. Je vais quand même regarder qu'est-ce qu'il va faire concrètement. Moi, je vous avais sorti l'épargne. La mise sous tutelle, bah, de toute façon, elle est déjà sous tutelle, hein, la France, plus ou moins, puisque c'est l'Europe qui. C'est Bruxelles qui donne, enfin, qui donne les instructions. J'ai quand même un peu peur que le budget y passe, hein, mais au prix de l'argent des Français. C'est ça que je vois, en fait. Hein. Vous voyez? Alors, quelles vont être les mesures prises en place pour faire passer le fameux budget? J'ai l'impression qu'il va passer quand même. Ah ouais. Bah, il est copain, le père Michel, il est copain avec Ursula. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est important, hein? Donc, comment va-t-il faire pour faire passer le budget? Alors. Bah tiens, c'est bizarre, regardez, ça sort. Hein. Ah ouais, c'est trop drôle quand même. Hein. Voyez? Bon, à un moment donné, quand même, il y aura mise sous tutelle complète, oui. Et en plus, et alors ça, oh là là, là c'est la guerre civile. Hein. Là, c'est la guerre civile. C'est ma carte de guerre civile, ça. C'est-à-dire qu'au moment où il y aura la mise sous tutelle de la France par l'Europe, eh bien, à ce moment-là, ça créera une guerre civile. Bon, sympa. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a au niveau de la coupe? Alors, une progression de quelque chose qui est en vue. Alors, je ne sais pas. C'est très mystérieux. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Tiens, j'ai Israël. J'ai quelque chose avec Israël en dessous. Ouais. Bon, on va laisser pour l'instant. Donc, que va mettre en place le Premier ministre par rapport aux mesures du budget, enfin, budgétaire, quoi? Où est-ce qu'il va aller chercher les sous? Vous savez, la mystique Marie-Julie Gianni avait parlé de guerre civile. Hein. Oui, moi, je suis d'accord. Hein. Je veux dire, je ne veux pas aller contre ce qu'elle a dit. J'ai une carte qui s'est retournée, là. Voilà. Je sens que les choses s'enveniment et puis vous aussi. Hein. Bon. Alors, le mensonge. Les îles, le cœur sur la main. Aïe. Ah, ça allait bien. Ça commençait bien et ça finit mal parce que j'ai les militaires. Bon. Oui, alors déjà, on nous ment vraiment. Ça, moi, j'avais senti qu'il y avait un mensonge concernant l'état de la France. Je suis sûre que la dette, elle est plus importante que 3 200 milliards d'euros. Je pense qu'il y a, que ça va plus loin, parce que là, c'est vraiment vide. Tout est vide, on nous ment vraiment sur la vraie situation de la France. Je crois que c'est pire. Alors, on verra bien hein, s'il y a un audit. Mais apparemment, la commission des finances a drôlement allumé Bruno. Hein. Et lui qui a dit que c'était de la diffamation. Mais je n'en peux plus de ces mensonges. Je n'en peux plus de ce type. Je n'en peux plus, quoi. Non, lui, il mériterait vraiment. Non, je ne vais pas le dire parce que bon, je vais me faire incendier. Mais enfin, passons. On va dire une sanction exemplaire. Bref. Il n'y a plus de sous. Bon, on est d'accord. Alors là, j'ai les îles. Les îles et l'ADN, oui. Ça peut être l'immigration. C'est quoi cette histoire? Ah oui. Oui. Il y a un problème avec des îles. Alors, c'est vrai qu'on n'entend plus parler de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je voulais envoyer un mail à quelqu'un là-bas. Et le mail m'est revenu deux fois.
Il y a un problème avec la Nouvelle-Calédonie. Hein. Ah ouais, il y a un gros problème. Alors, je ne sais pas pourquoi ça sort, mais ça peut être ça. Ouais, regardez, j'ai les pillages. Ouais, il y a un problème là-bas. Ouais, je pense que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ça sort, mais là, c'est la catastrophe là-bas. Bon, écoutez, c'est une information qui arrive comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La folie. Ça me parle pas de sous pour l'instant. Ça me parle de folie. Oui. Bon, bah ça, c'est quand on accueille. Vous voyez, on avait la carte Povlad tout à l'heure. Venez, venez. On accueille des fous criminels. Fous, crime. Pas compliqué, hein. Malheureusement. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont entrer sur le territoire, qui ne sont pas nettes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et qui vont susciter de la violence faite. Attention, je vous en supplie, que les femmes prennent quelque chose pour se protéger, pour se défendre, je sais rien. Mais il va falloir vraiment là se réveiller. Hein. Ça me parle toujours pas d'argent. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Du poison. Ah bon. Une bonne nouvelle par rapport au poison. Ouais. Alors le militaire, bah, je sais pas. Le chantage. Ah oui, ça c'est étonnant. Bon, ben, on va encore apprendre des choses par rapport au poison. Donc, se référer à ce qui est arrivé il y a 3 ans avec des gens qu'on a soumis à chantage. Il va y avoir des choses là qui vont ressortir. Voilà, des gens qui ont été menacés. C'est quoi la bonne nouvelle? Oui, la voix de la raison, la voix de la conscience. Bon, ben, on va apprendre des choses, hein. Ah, il y a des choses qui vont ressortir, mais plutôt positives cette fois par rapport au poison et par rapport aux gens qui certainement ont fait l'objet de chantage, de suspension, etc. Là, il y a quelque chose qui va ressortir. Enfin, ben, il serait temps, hein. Ouais, c'est une bombe à retardement, là. Bon, ok. Donc peut-être des dossiers, des choses comme ça qui vont ressortir. Voilà, attendez, parce que cette carte-là, du coup, peut-être la plus importante, j'ai pas d'infos. Attendez, voir ce que c'est que ce truc. Ça, c'est un chef militaire, hein, comme vous le voyez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? Parce que ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être l'article 16, ça peut être la dictate, ça peut être la guerre. C'est quoi cette histoire? Oh là! Bon, alors là, on a un problème qui arrive. Hein. Ah ouais, là, on a un problème qui arrive. J'ai des morts. J'ai une situation. De grosses difficultés par rapport ici à des questions militaires. Oui. Bon, écoutez, loi de finances, j'aurai rien d'autre, mais je pense sans trop me tromper que ça va être l'épargne et les impôts. Point. Voilà. Hein? D'accord? Bon. Alors. Sur l'hiver. J'ai une carte de l'hiver. D'accord? Ouais. Alors, à partir de septembre, octobre, no, bah, jusqu'à la fin d'année. Voilà. Jusqu'à la fin d'année, on est dans la période où ça peut vraiment escalader. Oui, escalader. On va essayer de voir quand même si je peux avoir une autre carte. Quelqu'un qui veut absolument réussir, en tout cas qui est sur la voie de la réussite, ça sent l'ucre. Hein. Ah ouais. Les femmes et les enfants, oui. Ah oui, ben ça, c'est les histoires de mère patrie, éventuellement. Hein. Oui. Bon, ben, tous aux abris, hein. Oui, donc la fin d'année, attention à une escalade par rapport à l'Est. Et ceci vient finalement confirmer ce que je vous disais juste avant, où Vlad tendait la main. Voilà. Tendait la main pour dire, bah, venez avant que les choses ne s'enveniment. Et moi, j'ai vraiment ici la carte qui me dit qu'il y a un vrai danger. Et là, c'est le bunker, donc tous aux abris, hein, je vous assure, hein. Donc là, il y a vraiment un problème, hein. Ah ouais, il y a quelque chose qui va arriver là, oui. Ah bah voilà, regardez. Voilà, je l'ai sorti devant vous. Explosion. Bon, alors, pas de panique, hein. On ne panique pas. Faudrait que je vous fasse une vidéo pour rassurer un peu les gens qui sont toujours en train de chouiner en disant, au secours, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais enfin, quoi? Vous n'avez pas encore compris que, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Et que c'est pas la fin du monde, hein. C'est la fin d'un monde. C'est pas pareil. Et que ce dont nous, on doit se soucier, ce n'est pas notre corps physique, mais c'est notre âme. Je vous assure, hein? Donc, bah, écoutez, si demain, il y a une bombe atomique, bah, de toute façon, on n'aura pas le temps de le réaliser. Non, je vous taquine un peu, là. Oui, c'est pas sympa, mais enfin.
Non, ça n'ira pas jusque-là. Par contre, une explosion, oui. Parce que là, il y en a un qui va dire, bon, ça suffit maintenant. Il faut que les choses se terminent. Oui. D'ailleurs, on va demander. D'ailleurs, c'est lui qui l'a dit, hein, ce sera la fin du bal des vampires. Hein. Bah oui. Ouais, moi, c'est ce que je vois. Hein. Bon, c'est inscrit dans les étoiles, oui. Ah bah voilà, regardez, encore les feux d'artifice, hein, vous voyez, j'ai quand même explosion ici et explosion là. Moi, mon jeu, il est cohérent. Hein. Une union, oui. Oups. Ah bah encore une union. D'accord. Union de qui, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Bon, alors, accrochez-vous. Moi, j'ai toujours dit, toujours, 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 que les BRICS prendraient, pardon, la gouvernance de l'Europe. Peut-être même du monde, mais enfin, du monde, ils l'ont plus ou moins déjà, puisqu'ils ont les ressources énergétiques, financières, etc. Et qu'ils font de plus en plus d'alliés. C'est pour ça que vous avez la carte de l'Union. Hein. Vous voyez? Regardez un petit peu ce qui se passe du côté de la Hongrie. Moi, je ne serais pas étonnée que Victor, au bout d'un moment, dise c'est bon, ciao l'Europe, je vais du côté des BRICS, et puis vous m'enquiquinez avec vos histoires de migration et tout, là. C'est bon, j'en peux plus de vous, je m'en vais. Ça va être ça, hein. Ah oui. Eh bien voilà, c'est ce qui va se passer. C'est qu'il va y avoir de plus en plus de pays qui vont se rallier aux fameux BRICS. Et ce qui va se passer, c'est que nous, on va avoir ceci. Le crédit social. Voilà. Bon, ben, c'est comme ça. Donc, c'est bien la fin du bal des vampires. Alors, je ne vous dis pas que c'est demain, hein, d'accord? Mais c'est dans les 2-3 ans, là. Oh oui. Oui. Ça, je pense que ça correspond d'ailleurs à ce que je vois. Hein. Oui. Voilà, je vous referai une vidéo, enfin plutôt je vais vous faire une vidéo sur le match Kamala Donald. On va regarder un peu ce qui sort. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.